J'espère que vous allez bien. Donc me voilà pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir en titre, c'est Watch It or Not, que j'ai inventé parce que j'ai pas trouvé sur internet. C'est pour vous dire que j'ai été au cinéma 3 fois cette semaine, donc je me suis dit que ça pourrait être bien de vous donner mon avis par rapport à ces films, surtout que je sais pas si en France ils sont déjà sortis ou pas. Donc je vais commencer par vous dire les 3 films. J'ai été voir Cendrillon, donc Cinderella. J'ai été voir aussi The Fast and Furious 7. Et j'ai été voir Get Hard hier soir d'ailleurs. J'y vais généralement avec Coralie. Donc on y va toutes les deux, on passe un peu de temps et ça nous permet de nous changer un peu la tête par rapport à notre vie au père. Je vais commencer par vous dire ce que j'ai pensé de tous les films. Premier film, Cinderella, ou Cendrillon en français. Donc je suis allée le voir mercredi dernier, j'ai vachement aimé. Franchement, j'ai trouvé ça vachement bien. J'ai adoré le petit film Frozen au départ, du début. Ça c'est absolument... De toute façon, je suis complètement fan de Frozen, Olaf, et c'est mon ami, mon meilleur ami. Ça va devenir mon futur mari, peut-être, un jour. Donc, je vais essayer d'arrêter de dire promis. Donc, je disais que Frozen, le petit film Frozen, il est absolument trop mignon, trop choupinou. Les petits bonhommes de neige, je vais y arriver. Les petits bonhommes de neige, ils sont trop choux. C'est vraiment un petit film trop mignon. Ensuite, sur le vrai film Cinderella, alors ce que j'ai à dire. Le film, je le trouve vraiment bien. Je trouve que les acteurs, ils sont bien dedans. Un truc que j'ai vachement bien aimé, c'était les effets spéciaux. Les effets spéciaux, je trouve qu'ils sont vachement bien réussis. Les petites souris qui parlent mais sans parler, et elles ont vraiment l'air réelles. Ensuite, il y a la marraine qui vient, qui se rechange et tout. C'est vraiment super bien fait et c'est magique, au fait. Tout simplement, encore un Disney... Je m'inquiétais un peu parce que j'ai l'impression que Disney, ils essaient de refaire tous les dessins animés de notre enfance en film. Et je m'étais dit, ouais, encore un film, ils ont déjà refait plein de trucs en film, des petits dessins animés que moi j'avais adoré en étant gamine. Et que maintenant, ils les refont en film, je me suis dit, oulala, ça va encore être un film, un pauvre film sur encore un Disney. Et encore une histoire de Cendrillon, parce qu'il faut dire qu'il en existe énormément des histoires de Cendrillon. Et en fait, j'ai été vachement surprise et agréablement surprise parce que je trouve qu'il est vachement bien fait. Je me suis posé une question pendant le film, c'est moi tout craché, j'avais jamais remarqué, enfin, surtout en anglais, donc ça s'appelle Cinderella. Et en fait, la fille, elle s'appelle Ella, et parce qu'il y a des cendres, ça fait Cinderella. Mais en fait, en français, la fille, je vais passer encore pour une boulette, mais la fille elle s'appelle pas Cendre Ion, enfin, ou même Ion, donc je sais pas, est-ce que vous savez comment elle s'appelle en français, la Cendrillon, mais à la base, je pense qu'on peut dire comme ça, à la base, comment elle s'appelle, parce que on remarque que je pourrais peut-être demander à mon ami Google. Mais enfin, si vous avez des idées, dites-moi en commentaire, peut-être que je trouverai entre temps. Peut-être que j'aurai le temps et que j'aurai pas la flemme de le faire. Cendrillon, je dirais que c'est une agréable surprise. Et du coup, vous pouvez voir derrière, j'ai l'énorme affiche de Cendrillon. Je vais essayer de vous la montrer un peu correctement. Je sais pas si ça... Voilà. Donc j'ai l'énorme affiche. Donc... Ensuite, le deuxième film que je suis allée voir, c'est Fast and Furious 7. Alors, à savoir que je vais donner mon avis sur ça, mais... Comment dire, j'ai vu un seul des autres Fast and Furious, donc je donne mon avis, mais c'est un avis strictement personnel. Après, je pense que j'en ai parlé avec quelques copines et elles étaient plus ou moins d'accord, elles avaient plus ou moins entendu ça, donc peut-être que je me trompe pas trop. Alors, premier truc, c'est je trouve que l'histoire, c'est... Alors, moi, les voitures, ça m'intéresse pas, mais alors l'histoire, c'est une belle histoire, mais... C'est un peu tiré par les cheveux, je trouve. Mais après, c'est mon avis, c'est à vous de voir si vous voulez aller le voir. Je dirais que, alors, les cascades sont super impressionnantes. Surtout dedans, il y a une cascade où, en fait, ils sont dans un avion.
Et ils sont en voiture et en fait ils sautent en parachute avec la voiture. C'est la voiture qui est accrochée au parachute et ils sont dans la voiture. Et c'est super impressionnant. Et en plus, j'ai vu sur internet qu'ils avaient fait ça réellement en fait. Les cascadeurs ont réellement fait ça. Ils ont vraiment fait sauter des voitures en parachute. Donc chapeau pour les réalisateurs. Hein. Et puis si vous avez d'autres sous à dépenser dans certains trucs. Aussi dingue que ça, moi je suis preneuse, hein, pour quelques sous. Voilà. Ah oui, il y a d'autres scènes, il y a des scènes qui sont vraiment drôles. Franchement, j'ai jamais autant rigolé sur quelque chose qui était un peu débile. Mais je vous en dis pas plus parce que sinon je vais vous raconter tout ce qui se passe dedans qui est pour moi intéressant. Donc si vous voulez aller le voir, vous le saurez. Voilà. Et bien sûr. Qui dit Fast and Furious 7 ou les autres, dit Paul Walker. Je suis allée le voir surtout pour ça, je me suis dit ça que. Alors moi personnellement j'y suis allée en étant un peu curieuse de voir comment ils avaient réussi à remplacer un acteur sans qu'on se remarque à l'écran. Et en fait j'y suis allée en pensant que j'allais réussir à deviner lequel c'était le vrai ou pas. Et en fait pas du tout. Mais c'est un peu moi et ma façon de réfléchir. En fait, je suis très technique et j'aime bien le cinéma. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir de savoir que, en fait, un acteur, même un acteur, on peut le remplacer, ben, pas comme ça, mais presque, malheureusement. Et donc, du coup, je me suis demandé comment ils allaient faire et s'ils allaient faire un espèce d'hommage pour lui ou pas dans le film. Comment ils allaient faire, en fait, concrètement. Alors. Pour ceux qui ont regardé des tonnes et des tonnes de fois Fast and Furious et qui savent comment est Paul Walker, apparemment ça se voit un peu. Moi j'ai vu que du feu, mais comme je vous ai dit au début, j'ai pas du tout vu Fast and Furious. Enfin, j'en ai vu un, je crois, ou deux. Ensuite, donc la fin est très émouvante. Elle est franchement même quelqu'un qui n'a pas vu tous les Fast and Furious. Moi j'ai trouvé ça super touchant. Donc je vous explique un peu la fin en fait. À la fin ils sont tous au bord d'une plage et donc il y a Paul Walker, je sais plus comment il s'appelle dans le film, qui est avec donc sa femme dans le film et son enfant qui sont en train de jouer au bord de l'eau. Et il y a toute l'équipe, tous les autres acteurs qui les regardent et en fait il y a un plan sur chaque acteur. Et on les voit regarder cette scène et je pense que cette scène elle a été tournée à la fin du film, complètement à la fin. Et on en voit certains qui pleurent, d'autres qui regardent ça vraiment. On les voit. Enfin, je pense qu'on les voit là, à ce moment-là, c'est même plus un rôle d'acteur. Je pense que c'était vraiment ce qu'ils ressentaient au fond. La fin est magnifique et puis la chanson est très très belle. Donc, je pense que c'est. Moi, j'y suis allée et franchement, je trouve que c'est un film à aller voir. Si, même si vous n'avez pas vu les autres. Ensuite, je suis allée voir hier Get Hard. Alors c'est un film avec Kevin Hart. Pour ceux qui savent pas, je vais essayer de vous mettre une photo quelque part par là. Et Will Ferrell. J'espère que je le dis bien. Alors Will Ferrell, si je me trompe pas, il a joué dans Elf, un film qu'on a vu quand on était tous petits. Enfin, normalement. Moi je l'ai encore vu ce Noël là parce que avec les petits que je garde, on l'a regardé bien sûr. Et donc, alors ce film là, comment dire? C'est mon film où j'ai été le plus déçue, parce que je pensais que ça allait être vraiment drôle. Alors, je vous explique l'histoire avant. Bien sûr, mais je n'explique pas l'histoire. Parce que je sais pas s'il sort en France. C'est l'histoire d'un homme, donc il est joué par Will Ferrell, qui travaille super bien, je crois que c'est dans un truc de. Enfin, il est trader, je crois, si j'ai bien compris. Et en fait, il va être poursuivi pour détournement de fonds. Et donc il va être condamné à 10 ans de prison. Et il a 30 jours avant sa condamnation. Et il décide au fait de faire en sorte de. Il veut pas aller en prison parce que on lui dit que la prison où il va, c'est la prison la pire des États-Unis. Il y a enfin, tout ce qu'il faut, quoi. Et il va rencontrer c'est la personne, donc jouée par Kevin Hart. C'est la personne qui nettoie sa voiture. Il le rencontre et il a énormément de préjugés assez racistes sur les Noirs, comme quoi ils ont tous été en prison, comme quoi. Et donc, du coup, il va lui demander, il va le payer pour l'aider à survivre dans la prison. En fait, ce mec-là, il a jamais été en prison.
Oui, il va essayer quand même de lui expliquer, de faire. Donc, il va jouer un rôle assez impressionnant et c'est très drôle. Mais on n'a pas cette notion de racisme et tout en Europe, je dirais en France surtout. On n'a pas la même vision des choses en Amérique et en Europe et en France tout particulièrement. Enfin, moi, je pense, à mon avis, que c'est un film bien pour les États-Unis qui doit être très drôle au niveau des Américains, mais qui marchera. Enfin, je pense pas qu'il marchera beaucoup ici. Parce que vous pouvez aller le voir si vous avez envie. Moi, je trouve que ça peut attendre. Enfin, on peut attendre qu'il passe à la télé ou un truc comme ça. Je pense que. Ou alors se faire inviter. Se faire inviter. Pour finir, je vais vous faire on va dire un classement des trois films que j'ai vus. Donc, à aller voir absolument, je dirais, et que je conseille vraiment, c'est Cendrillon. Si vous aimez Disney et tout, je trouve qu'il est pas mal. Ensuite, le deuxième film que je conseille d'aller voir, c'est Fast and Furious. Si vous avez vraiment envie de le voir et que, même si vous connaissez pas, je pense, c'est quand même assez impressionnant. Donc, moi, je conseille. Et le troisième film, ce serait Get Hard. Parce que je pense que c'est. Si vraiment vous voulez aller le voir, vous pouvez aller le voir et faites votre propre opinion. Et puis, dites-moi en commentaire si vous avez vu ces films et ce que vous en pensez, si vous pensez pas du tout la même chose que moi. Ça peut être sympa de discuter sur ça justement, et je me dis que j'ai pas vu beaucoup de gens, des youtubeuses ou des youtubeurs faire ça, et je me dis que ça peut être intéressant étant donné qu'en ce moment, surtout en Irlande, je vais souvent au cinéma et j'adore aller au cinéma malgré le fait que j'ai pas forcément tout le temps les moyens pour y aller 4 fois par semaine. En sachant que c'est mes propres avis, encore une fois. Je vous force pas à y aller, je vous dis pas si c'est nul ou pas nul, je pense pas que ça soit des films nuls. Je pense que même Get Hard, il est pas mal. Mais c'est pas un film pour. Faut savoir ce qui se passe en Amérique, je pense. C'est un truc très américain. Donc je pense que les blagues qu'ils font, il y a des blagues qui sont marrantes, mais il y en a d'autres. Enfin, moi personnellement, j'ai pas forcément compris pourquoi c'était une blague. Mais après, je suis blonde aussi. Donc peut-être que c'est ça. Ainsi s'achève la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. Mettre un pouce vers le haut comme ça là. Et me dire ce que vous en pensez, me dire si vous aimez cette rubrique, s'il faut que je continue ou s'il faut que j'oublie au fait. Parce que concrètement, j'ai inventé ça. Donc je me suis dit que ça peut être sympa étant donné que je risque de pas vous faire beaucoup beaucoup de trucs de beauté. Donc je me suis dit on peut voir une autre façon de faire les choses sur YouTube. Et je vous dis à bientôt. J'ai même le lit Frozen parce que la petite fille aime beaucoup Frozen et donc comme je change les draps aussi, tout le monde, j'ai choisi Frozen cette fois-ci. La dernière fois j'ai eu le lit, j'ai eu le droit à Dora aussi parce que j'ai un lit d'enfant donc. Mais cette fois-ci j'ai eu le droit à Frozen avec donc vous avez Elsa et. Je crois que vous avez Anna aussi, quelque part. Vous voyez là, vous avez un bout d'Anna avec le bout du côté. Et on a Olaf aussi. Donc je dors avec Olaf. Et puis vous êtes jalouse. Et donc du coup, bah là j'ai encore dit eux. Vous allez compter combien de fois je dis eux dans la vidéo, vous le mettez en commentaire et vous me le dites en commentaire et je vais essayer de faire de moins en moins de eux suivant les vidéos. Avec les vidéos. Challenge.